gen bienvenu nan pouvoi sa pouvoi Jovenel Moïse la. Et yo tap arrêté madame Kok depuis en février dernier. Yo tap arrêté madame Kok depuis en février dernier. C'est international a te frappé pi a te. Qui fait pas arrêté ni Mécène ni Wendel Kok. Ça veut dire pouvoir Jovenel Moïse tap gardé Wendel Kok nan en bas lunette. Mais je dis à la avec occasion la mort Jovenel Moïse, yo ka semblé joindre un bon preuve pour yo attaquer madame Kok. Le ça c'est détruit et vrai preuve là et puis la gueule sous de moun qui ka pa konn rien nan rien ça ka passer dans pays a. Et oui. La premier monde vous détendez, faut détendre la police là. Clair. Premier ministre là. Et puis pour détendre aussi l'ensemble des chaînes de commandement qui gagnent dans la sécurité par les nationales. C'est une question. Sous quoi c'est pas ça qui fait? Alors, il faut checker les Colombiens. Ok, les Colombiens, les gens qui payent le biel, les gens qui font le vini, les contrats signés avec quelqu'un, ils ne vont pas aller débattre comme ça. Ouais, c'est pas un bluff. Non, cher Colombien. Alors, vous pensez, dans le cadre d'enquête sous la mort de Jovenel Moïse, Colombien est opposable. C'est pas la dernière, oui, t'es dit. D'accord. Ah oui, mon cher, Colombien, mon cher. Ah mon cher, c'est que on va être caché. Ah mon cher, la gomme bagage, on va être caché pour n'y aller chercher des poissons tout petit. On va en tant que là, on va quand même arrêter. On va connaître quelques criquettes dans la rue. C'est le tout. Donc, est-ce que ça veut dire une incohérence dans le bazar? Mais qui est le bras financier de cette affaire? Parce que le bras financier, on va connaître qui est le bras financier. Et là, ça pose problème. Et c'est ça pour comprendre, non? Et ça fait que la communauté internationale a appelé aller aux élections rapidement pour finir avec bagage ça, parce que aussi, il va y avoir un moulin pour dans sa capacité là. Est-ce qu'on s'en veut là? Parce que Haïtien, même si Haïtien a fait compte enquête, il a pris un côté où il est tout, il ne va pas faire des comptes enquête, mais moi, tout pour ça que c'est pas moi qui parle, il y a une information que Jean-Philippe Mébaï et ma propre il dit pour ça que. D'après information que le gagné, que le jeune est de soucis, il dit qu'on sait que dans 9 pick-up, flambant 9, Nissan Patrol, qui est allé la caillou. Et la police, après la fin passée, la police voulait tout. Donc la police a capté tout le poème. Et il faut me prendre Chalmonel, et il faut me prendre Monel, et il faut me prendre Minol, parce que je ne peux pas passer sur le téléphone. Non? M'obliger prendre le sous téléphone ça parce que m'ta pisser prendre les à deux et professeur ancien vice consul Charles Minol, comment y est Azael me salue ou salue tout peuple haïtien me salue diaspora en particulier et puis me salue ou même camarades moi zami parle professeur Monel et puis me salue nous et puis, comment s'appelle là nous participons à l'émission parce que je suis nous avec un peu d'attention. Oui, ma tante est le député là, je ne pas passer sous vous le téléphone, non? Et je ne suis pas qu'on a passé. Il dit que vous n'êtes pas disponible pour prendre appel de groupe. Donc, je suis obligé de le sur le téléphone ça directement. Oui, et nous avons regardé avec l'amour Jovenel Moïse. Bon, vous avez bien parlé là. Ou avez tant d'émissions ou même. Et qui sont dit? Comment est-ce que vous avez dit? Sous l'amour président Jovenel. Directement. La planification de l'assassinat du président Jovenel est transnationale et exécutée par des conseils nationaux. La planification de l'assassinat du président Jovenel est transnationale, exécutée par des conseils nationaux. Oh, résumé. Bon, et heureusement, c'est Oudili, moi, je ne vais pas dire ça. Non, je vais résumer tout ce que Monel a dit là tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire, par exemple? Il n'y a aucun coup d'État ou assassinat qui a fait dans un pays grande puissance mondiale, ça, dirigé, que vous ne la connaissez. Et je vais dire, la question des transactions, des transferts, il y a la loi. Sur la question des terroristes.
Pour qui ça, il y a des transferts qui se font de la Colombie aux États-Unis. Il y a des FBI. Et en plus, pour qui ça, il y a pas mal de diversions, pour qui ça, l'implication dans l'enquête, service intelligence Colombie et les États-Unis, c'est pour masquer ce qu'on appelle la réalité. C'est pour masquer ce qu'on appelle des preuves. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on part au courant que enquête FBI, il y a l'exclusion des agents de la DCPJ qui pas gain droit écouter directement comment s'appelle haïtiano et américain? C'est clair et net. C'est clair et net. Qu'est-ce que je vais dire encore? L'assassinat du président Jovenel, ce qui passe en Haïti, c'est le résultat directement la planification des transnationaux. C'est aussi ça. Qu'est-ce que je vais dire encore? Excusez-moi. Président Jovenel n'avait pas maîtrisé les paramètres géopolitiques et les paramètres géopolitiques et stratégiques. Et le président Jovenel n'avait pas maîtrisé les paramètres historiques de la société haïtienne en ce qui concerne la lutte des classes. Qu'est-ce que ça me dit par là? Et le président Jovenel rentrait dans la cour des grands. Ça veut dire que on va parler de géopolitique. Il fait des actions, ce que Monel Sodou, par rapport avec le Venezuela et la Colombie, et le Venezuela et la Russie, sous prétexte que le besoin atteint d'objectif, il pensait que le cas jouait double jeu. Non? Et en plus, la question de la diplomatie que vous discutez sur ce qu'on appelle les intérêts du pays, Haïti très faible en ce sens. Il est sorti, ils ont dominé. Et c'est ça que fait le président Jovenel. C'est-à-dire que du fait qu'il n'a pas maîtrisé paramètres, et ensemble des diplomates qui ont pas maîtrisé paramètres, ils permettent que le président Jovenel tombe directement dans le piège par rapport avec la Russie. Et ce que Monel a dit, c'est la réalité. Mais Maurice Jean-Charles a dit une chose, que l'Idou l'a négocié avec Sud. Il n'a pas hésité à la seconde qu'il a négocié avec la Russie. Président Jovenel pour le Jean-Alphel, mais il ouvrait un chemin directement avec dans le temps s'il a fait l'État en Haïti, nous avons tuyau de négociation avec une réforme n'a fait en profondeur et capacité que nous avons gagné dans la diplomatie pour négocier avec les grandes puissances mondiales, à savoir les États-Unis, par rapport avec la Russie. Mais il faut maîtriser paramètres là très bien, il faut rejoindre des personnes qui ont des capacités qui est capable de comprendre enjeux économiques, enjeux politiques et enjeux stratégiques. Est-ce qu'on bien comprend ça, Abdoul Azer? Bien comprendre. Bien comprendre. Bien comprendre. Et ça, je vais parler de les paramètres contradictoires historiques de la société haïtienne en ce qui concerne la lutte.